Yahoo mon petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle ouverture d'une commande faite sur le site Momox. Donc le site Momox, je fais un récap pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est Momox? C'est un site qui te propose de te racheter tes affaires à toi, donc que ce soit livres, CD et DVD. Mais il te propose aussi forcément d'acheter ces mêmes objets, tout simplement parce que forcément vu qu'il te les rachète à un moment donné, bah, il peut bien les revendre. Donc voilà quoi ce que c'est Momox. Personnellement, je n'ai acheté que des livres dessus. Je ne suis pas friande de racheter de toute façon tout ce qui va être CD et DVD d'occasion. C'est pas trop mon délire. Je préfère acheter en neuf que acheter en occasion. Surtout qu'on peut trouver maintenant les trucs pour pas très cher. Il suffit d'attendre par exemple 6 mois qu'un DVD soit sorti d'un film et tu l'as à moitié prix. Donc pourquoi l'acheter en plein prix? Et voilà, l'acheter d'occasion, c'est pas trop mon délire pour moi perso. Donc, bien entendu, si on se retrouve sur la chaîne Ibiotaku, tu t'en doutes que j'ai acheté du manga ou un truc en rapport avec l'Asie. Mais là, c'est que du manga. Donc, c'est parti. Alors, à savoir que la commande que j'ai faite de base me valait un certain prix, sauf que Momox a fait des après-soldes et jusqu'au 15 août. Pour tout achat d'un certain montant, on avait 5 € offerts. Dès qu'on atteignait un certain autre montant, on avait 10 € offerts. En fait, donc au lieu que par exemple ma commande me coûte 50 €, elle me coûtait plus que 40, etc., etc. Donc j'en ai profité et j'ai fait une petite razzia au niveau des mangas, sachant que là j'envisage aussi dans 2-3 jours, je pense qu'au niveau où la vidéo sortira, de me refaire une big commande sur le site Momox. Donc je le rappelle au cas où pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou ceux qui ne connaissent pas encore le site Momox, à savoir que Momox t'envoie tes colis, enfin tes mangas dans des enveloppes à bulles, uniquement comme ça. Et donc tu peux très bien avoir ta commande divisée en 2, 3, 4 enveloppes. Et donc il peut aussi arriver qu'une de tes enveloppes arrive avec 1 ou 2 jours de retard, parce que c'est ça la poste. Voilà. Donc c'est tout. Dans une seule enveloppe tu as la facture avec un récap de ce que tu as commandé. Donc là moi j'en ai 4 par exemple. Et moi je prends toujours état, très bon état. Après il y a bon état et acceptable. Je n'ai jamais commandé de bon état et de acceptable. Faudrait que je fasse une fois sur 3 fois, faudrait que je trouve quasiment 3 fois le même manga dans les 3 types. Comme ça, ça permettrait de voir vraiment ce que vaut l'état acceptable et ce que vaut l'état bon état. Parce que par exemple j'ai déjà trouvé par exemple des mangas à 1,99€ classés en très bon état, et où l'état était quasiment neuf. Donc ce n'est pas non plus le prix qui fait que le produit est de moins bonne qualité, parce que je peux te dire que je t'ai déjà présenté 3 fois des mangas qui étaient à 1,99€ et on aurait dit qu'ils étaient neufs. Donc cette fois-ci, là je vais avoir le tome 7 de Détective Conan. On a le tome 9 qui est orange, qui est... On est un petit peu assorti avec mes cheveux, j'ai pas fait esprit. Voilà le tome 9. Et là, on est assorti avec le fond, parce que le tome 10 et 11 sont bleus. Voilà. Donc, en fait, j'ai commandé le tome 6 à 11 et j'ai acheté d'autres mangas à côté. Donc, je pense que le 6 sera dans cette enveloppe-là. Voilà. Donc là, on a par exemple la facture. Donc, on a un récap de l'adresse, de leur adresse s'il y a besoin de retourner. Un petit mot pour te dire merci de votre achat et un récap de ce que j'ai acheté. Donc le tome 6 de Détective Conan, et quand je... J'ai vraiment pas fait esprit, hein. Par contre ça je savais plus. Voilà. On va voir le tome 8. On va voir après 2 mangas que j'ai pris pour compléter mes bilans lecture. On va voir le tome 6 de Mask I Know. Voilà. J'ai déjà acheté le 4 et 5 à Paris, me semble. J'ai acheté le tome 4 de Roji. Voilà, j'attends d'acheter le tome 5 et 6, voire peut-être 7, pour pouvoir faire la deuxième vidéo sur le manga Roji. Et j'ai acheté le tome 1 de Prisonnier Riku, tout simplement parce que c'est un manga des éditions Agata et qu'il est terminé au Japon. Et qu'on, bah nous, on n'est pas très loin non plus de la fin. Je crois qu'on est à 10 tomes de la fin. On doit être au tome 26 ou 27. Et ça doit se terminer à 37 tomes, un truc comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter le tome 1, voir si ça me plaît réellement ou pas. Et après acheter la suite. Donc j'étais persuadée qu'il me manquait un manga, mais en fait, si, c'est le cas. Entre guillemets, parce qu'en fait il y a un manga qui est parti bien après, mais il m'avait envoyé un mail pour me prévenir qu'il y avait un manga qui partait après.
Voilà, il y a eu sûrement un couac, mais toujours est-il que, en tout cas, ils ont été très réactifs pour me prévenir aussitôt par mail en disant que ça a été envoyé comme si c'était une autre commande séparée. Voilà. Et j'ai oublié de préciser, mais le site Momox, dès 15 euros d'achat, tu as les frais de port offerts. Alors que si tu passes par Amazon, par exemple, les frais de port, bah, même si tu achètes pour 15 euros, je crois pas que tu aies les frais de port offerts. Mais voilà. Les frais de port, ça va très vite parce qu'en 3 mangas, quasiment, tu as les frais de port offerts. Donc, je trouve ça cool. Donc, personnellement, donc petite conclusion, comme je vais te faire une petite conclusion, mais Momox, moi ça fait 2 ans que je connais quasiment ce site et 2 ans que je continue d'acheter dessus. Il m'est arrivé une seule fois un couac, mais c'est tout, alors que j'ai fait beaucoup de commandes et à chaque fois je commande, c'est rare que je fasse des mini-commandes, donc soyons honnêtes. Et voilà, et puis il y a eu aussi, il y a eu une fois donc en fait où j'avais eu un manga où les pages étaient déchirées, il manquait des pages. J'avais filmé directement avec mon téléphone pour leur montrer le rendu, etc. Je leur ai montré, je leur ai envoyé et aussitôt ils m'ont remboursé et ils m'ont même proposé parce qu'ils l'avaient en stock, ils m'ont dit on l'a encore en stock donc si tu veux le racheter par pur hasard, n'hésite pas, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le site Momox. N'hésite pas à me dire toi si tu connaissais ce site, si tu commandes déjà. N'hésite pas à nous donner aussi tes expériences, à nous raconter tout ça. Et sur ce, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!